à vous, mes chers. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous? On a le soleil au beau milieu de votre lecture et vous allez en avoir besoin, je crois. On a le magicien dans le défi. Très significatif. On a la mort dans votre vie professionnelle et on a les amants en fin de mois. D'accord? Sinon, bâton, épée, coupe, coupe, denier. Ça va. Cette ligne ici, qui est en fait un guide, elle est magnifique. Magnifique. Il y a des choses qui se passent, il y a, ben, comme tout le monde, le changement, il est là. Il peut être aussi bien sentimental que professionnel en ce qui vous concerne. Encore une fois, je le répète chaque fois, mais vous placez bien la lecture en fonction de ce que vous vivez. Pour tout le monde, les enjeux ne sont pas les mêmes, c'est une évidence. Donc l'intensité peut varier et vous, ça peut toucher la vie sentimentale ou la vie professionnelle ou les deux. D'accord ? Donc vous placez bien ça en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va commencer. Vous avez la justice. Taureau, vous aviez quoi le mois dernier? Vous aviez l'ermite. Ok, oui. Alors, l'ermite qui a forcément dû vous pousser à vous poser quelques questions, à trouver des réponses à ce que vous viviez, à être sage. Le mois de janvier a dû être sage, avec peut-être de l'introspection, des réflexions autour de votre vie, autour de ce que vous vouliez, autour de comment se déroulait votre vie. Là, on a la justice. Ça veut dire que la vie, l'extérieur, l'univers, vos guides, vos anges, que vous voulez, vous disent, ce mois de février, taureau, tu as la possibilité d'équilibrer les plateaux de ta balance et de te rendre justice. D'accord? Donc, saisissez l'opportunité. Vous pouvez rééquilibrer quelque chose qui était déséquilibré. Vous pouvez vous rendre justice dans quelque chose qui pouvait vous sembler injuste. Il vous suffit de faire ce qu'il faut pour ça. Et ce qu'il faut pour ça, vous le faites. 7 de bâton. Vous vous dressez, hein, fier comme Artaban, droit dans vos bottes, pour défendre vos principes, vos valeurs, votre philosophie et tous les idéaux auxquels vous vous identifiez. Vous le faites. La vie vous dit, c'est ton moment pour redresser la barre. Boum, vous y allez. Vous avez au préalable quand même bien étudier le domaine, le terrain, la situation. On a la 2 d'épée qui nous explique que vous n'avez pas fait les choses dans la précipitation. Vous avez pris le temps de tout poser sur la table, de peser, sous-peser, réfléchir, analyser, probablement déjà depuis janvier. Et là, avec la 2 d'épée, vous êtes très posé, très serein, mais vous avez tranché, vous avez décidé. Mais calmement. Pourquoi? Parce que vous avez mis en évidence ce qui était important pour vous. Et quand vous avez décidé ça, ok, j'y vais. On continue, vous allez voir ici, c'est magnifique. Ce que vous voulez le plus, c'est l'amour. Alors, l'amour, là encore une fois, ça peut être l'amour d'une personne, oui. Ça peut être vous aimer vous-même, oui. Ça peut être l'amour pour un travail, un job, une vocation, oui. Et ça peut aussi être une forme d'amour universel, une forme de bien-être, du bénévolat, l'amour pour l'humanité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais ce que vous voulez, c'est être dans l'amour. Vous voulez être dans la bienveillance. Vous voulez être dans des énergies positives. Vous voulez que ça déborde de votre cœur, que le beau, la lumière, le positif, l'amour universel dégorge de votre cœur et que ça touche les personnes qui sont autour de vous et que ça touche votre vie et votre environnement. Qu'est-ce qui va vous aider? Le soleil, sa majesté, le soleil, rien que ça. C'est-à-dire la joie, le bonheur, les fous rires, la joie de vivre, la compréhension aussi. Vous avez, je pense que ce mois de février signe la compréhension clé de quelque chose d'important pour vous. Il y a comme, depuis janvier, une « j'ai compris ». J'ai compris, je sais ce que je veux, je sais ma valeur, je sais ce qui me motive, quelle est ma locomotive. Vous avez une locomotive là devant vous, cette fois, vous savez ce que c'est. Et comme vous savez ce que c'est, boum, vous pouvez foncer. Compréhension, joie de vivre,
bonheur, c'est ce qui va vous aider. Même s'il faut forcer un peu le trait au début, ça va venir au mois de février, d'accord? La joie, le bonheur, parce que, pas parce que votre vie est magnifique et superbe et que c'est bisounours, et non. Pourquoi? Parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. Vous avez compris ce qui vous tenait debout. Vous avez compris ce qui vous faisait avancer, ce qui vous motivait. Moi, je crois que c'est ça qui vous aide. Et forcément, c'est ce que je disais dans la vidéo d'introduction au mois de février. Le changement, il ne vient pas de l'extérieur. Le changement, il est intérieur. Et à partir du moment où on est conscient d'un changement intérieur, ça fait effet domino sur l'extérieur. Déjà, notre changement à nous va impacter notre entourage et vous allez automatiquement adapter votre environnement à ces nouvelles valeurs, cette nouvelle philosophie que vous sentez être la vôtre ce mois de février. Le défi, il est là. Mettre en place la vie qui vous correspond, le magicien. Vous avez tous les outils nécessaires pour ça. Vous le comprenez. Il vous suffit maintenant de mettre en place la vie qui vous correspond, la vie que vous avez choisie, la vie que même l'univers vous invite à vous offrir. En rééquilibrant les plateaux de la balance, vous avez peut-être fait d'énormes sacrifices en 2022. Là, vous avez l'opportunité, la chance, la possibilité de rééquilibrer tout ça. Saisissez-vous-en. Ça va induire quoi? Que dans la vie sentimentale, vous allez laisser tous vos regrets derrière vous. Vous allez laisser la nostalgie derrière vous, vous allez laisser la mélancolie derrière vous, vous allez laisser tout ça derrière vous et vous concentrer sur votre potentiel d'avenir. Ça peut indiquer une rupture, oui. Ça peut indiquer la sérénité après une rupture, oui. Ça peut indiquer que vous comprenez enfin ce que vous voulez, ce qu'il vous faut, oui. Ça veut surtout dire que vous êtes en paix avec vous-même, c'est ce que je vous disais. Vous êtes cette fois en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec ce que vous mettez en place. Vie professionnelle, idem, la mort. La mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformation. Vous mettez un terme à quelque chose pour laisser autre chose prendre sa place. Ça peut être la fin... Pardon. Ça peut être la fin d'un travail. Ça peut être la fin de la société qui vous embauche. Ça peut être la fin d'un métier. Ça peut être la fin d'une formation. Il y a un changement ici qui vous attend au niveau professionnel ou financier pour ceux qui ne travaillent pas. Hein. Ça peut être ou du bénévolat. Ça peut être un changement de « bon ben j'arrête de rester oisivement à la maison devant ma télé avec la zapette et le chat sur mes genoux et je vais me faire, m'utiliser dans du bénévolat, je vais aller me rendre utile à quelque chose qui me tient à cœur parce que ça correspond à ma nouvelle philosophie. D'accord? Tout ça, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez bossé. 8 de deniers, votre vie intérieure, nous montre que vous avez pas rechigné à la tâche, vous êtes resté concentré sur vous, à arrondir les angles de votre personnalité, à vous comprendre, à creuser, à chercher à améliorer qui vous êtes, à améliorer votre vie, à améliorer votre perception de vous-même, à améliorer votre considération pour vous-même. Ça nous montre que vous avez développé un aspect de votre vie spirituelle qui aujourd'hui vous permet de vous rendre compte de ce changement. Vous avez changé parce que vous avez bossé à changer. Et parce que vous avez changé, vous pouvez changer votre vie. Mais ça veut dire que vous avez fait le job. Et vous continuez ce mois de février à faire le job, à améliorer ce qu'il y a à améliorer. En fin de mois, les amants. Alors, je suis obligée de le dire parce que c'est la carte de l'âme sœur, de l'amour destiné. Donc, ça peut vouloir nous dire qu'en fin de mois, vous rencontrez une âme sœur. Oui. Vous rencontrez le partenaire professionnel idéal, oui. Vous rencontrez l'ami dont l'amitié vous transporte et dont vous avez toujours rêvé, oui. Mais moi, je ne crois pas. Pour moi, plus j'avance, plus cette carte des amants me pousse à comprendre que c'est une rencontre avec vous-même. Vous vous découvrez ce mois de février déjà dans ce qui vous tient debout, ce qui vous anime, ce qui vous motive, la force que vous avez à changer le cours des choses. Vous comprenez l'importance de l'amour, de la joie de vivre, du bonheur.
Vous savez, vous comprenez que vous pouvez vous l'offrir vous-même et vous changez tout votre environnement pour que ça corresponde davantage à qui vous êtes, à votre nouvelle philosophie. Et là, vous sortez en fin de mois de février, fier de vous, avec cette sensation de vous être réconcilié avec toutes les parties de qui vous êtes. Cette sensation de vous avoir honoré, de vous rendre justice, tout simplement. Superbe, superbe. Mais voilà, vous avez fait le boulot et vous continuez à le faire encore, encore ce mois de février. D'accord ? Allez, on va faire notre extension. Pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique à alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous, pour des abonnements pardon, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, vous y allez, vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Alors, notre justice ici, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter hier ? On a le chariot, triomphe. C'est pas moi qui le dis, hein. Votre énergie ici à vous, avec ce combat, la force, bah tiens, hein, la force du lion. Vous rugissez ce mois de février. Pour un taureau, c'est un peu particulier, mais bon. Ce que vous désirez le plus avec cette as de coupe, on a la 10 de denier. Très bien. Avec le soleil ici, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a ? La tour. Waouh ! La tour et le soleil. Moi, j'ai l'impression que vous envoyez tout balader et vous changez les règles du jeu en fonction de ce que vous décidez. Superbe. Le magicien, le défi, ça va être le roi d'épée. La 5 de coupe dans votre vie sentimentale, on a le valet de bâton. La mort dans la vie professionnelle, on a la 10 de bâton. Punaise. Vous avez un joli mois, hein. Et puis la 8 de denier dans votre vie intérieure, on a la 5 d'épée. Et les amants en fin de mois, on a le chevalier de denier. Excellent. Ça se calme, on revient à une forme de calme et d'apaisement en fin de mois. D'accord ? 3 d'épée ici. Ok mes chers, alors je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures pour faire une lecture un peu plus personnalisée. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du signe du taureau, c'est toujours, toujours, toujours utile de voir comment nos collègues de signe naviguent à travers ces énergies. Ça peut donner du courage, ça peut motiver, ça peut donner des idées. C'est toujours utile. Donc, merci pour les autres de bien vouloir le faire. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.